Wells, et en fait, m'a pris pour son film Calvaire parce que j'étais venu le dépanner un dimanche lorsqu'il faisait un court métrage. Il réalisait un court métrage et un acteur était resté bloqué en Tunisie, je crois. Et d'un seul coup, il se trouvait comme ça le dimanche sans l'acteur qui devait faire un boucher. Et puis on m'a appelé, moi, et finalement je suis venu. Là, on ne se connaissait pas à cette époque, mais c'est parce que son directeur de production travaillait à Canal+, et moi aussi à cette époque. Bon, alors, je me suis retrouvé là. Ça s'est très bien passé. Ça s'appelait « C'est merveilleux quand on est amoureux ». Et puis, à la fin de ce petit tournage, il m'a dit « Ah, bah, c'est très bien, quand je ferai mon long, j'aimerais bien qu'on retravaille ensemble ». En général, les gens disent ça, puis on ne les revoit plus, parce qu'ils sont embarqués dans autre chose. Ils oublient tout ça. Lui, il n'a pas oublié. Et il m'a demandé de jouer dans Calvaire, un personnage pour lequel il avait pensé à un autre comédien, qui est Philippe Naon, qui est aussi dans le film. Et puis après, il s'est dit, parce que moi, il m'a rien dit, mais il m'a dit qu'est-ce qui te plairait comme personnage, et j'ai dit celui-ci. Il m'a dit, oh, c'est pas tellement à ça que je pensais. Et alors finalement, comme c'est un film d'horreur, dirons-nous, et que c'est moi l'horrible dedans, enfin, un des plus horribles. Et puis, ça a marché parce que finalement, il s'est dit, avec Philippe, dès qu'il apparaît, on sent que ça va barder. Ce n'est pas le cas avec moi. Alors, du coup, une sorte de fragilité qu'il voyait chez moi. Et enfin, je ne sais pas quoi, il y a tout un tas d'adjectifs, de mollesse. Non, en tout cas, il a choisi ça, puis finalement, il s'en est pas plaint. Alors, ce film n'a pas marché à sa sortie. Il y a eu trois ricanements dans certaines sphères, et puis ailleurs, quand même pas mal de compliments, surtout dans les sphères spécialisées, qui, eux, en ont vu d'autres. Alors, c'était assez intéressant. Puis la critique américaine, tout ça. Et maintenant, il est devenu culte. Il n'y a pas une semaine sans qu'un jeune mec dans la rue me dise « Ouais, Calvaire !» Et je dis ça souvent à... J'ai gardé comme ça un lien avec Fabrice Duwels. Je lui dis ça souvent. Il doit penser que je dis ça pour l'encourager, pour lui faire plaisir. Et bien là, un jour de congé pendant ce tournage-ci, je suis allé à Bruxelles. J'ai passé une soirée avec lui et ses enfants. Et par deux fois, en sa présence, on est venu nous dire « Ah, Calvaire, j'aime bien ça !» Alors j'ai pu lui dire « Bah, c'est lui qui l'a réalisé !»